fin de l'épisode 12 et on débute tout de suite l'épisode 13 de Days Gone. Donc je me mets un écran blanc à la place d'un écran bleu, mais moi ça me permet de faire un de faire la coupe tranquille et de pas me tromper. Donc là il faut qu'on aille chasser des animaux. Ok. Donc c'est une mission. Grosse infectation hein, dans cette zone là. Il va falloir faire gaffe quand même. Ma bécane est loin. Elle est là-bas. Et là on a un point. Bon, on peut chasser sur place. Ok. On peut chasser sur place. Après on ira récupérer la bécane. Bah, du coup je vais mettre une. Hop. Un petit point pour y aller. Allô. Super. Ouais, pas mal. Il faut 5 viandes, ok. Il faut chasser au milieu des connards. Toujours un plaisir les cinématiques. Ouais, j'aime beaucoup les cinématiques du jeu. Il y a une espèce de d'ambiance, cette tension, hein, on sent hein, la tension de Deacon pendant les échanges avec O'Brien. Après, c'est un peu logique aussi, hein, c'est de sa femme dont il s'agit. Là, on apprend qu'elle est peut-être en vie. Enfin, qu'il y a de grandes chances qu'elle soit en vie. Moi, j'ai même l'impression, honnêtement, hein, pour vous dire la vérité, pour l'instant, ma théorie, c'est qu'elle fait partie hein, des chercheurs du Nero. Personnellement. Je peux me tromper, mais... j'en doute. J'ai l'impression que... le truc des animaux c'est un peu partout, je peux le faire hein. Je peux peut-être pas obligé de le faire qu'ici, donc on va se rapprocher de la bécane. Ouais, l'infection soit de sa faute, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas qu'elle soit au courant et qu'elle ait joué un rôle, quoi. Allez, comment on machette? 10% pour la machette. C'est con, j'aime beaucoup la machette, hein. J'ai pas envie de la virer. Et merde. C'est quoi ce bordel? Désolé. Donc si on a un, ça veut dire qu'il y en a d'autres, méfions-nous. Comme par hasard, on va récupérer notre bacon. Le jeu te lâche pas. Hein. Le jeu veut te la mettre et pas qu'un peu.
Ah, c'était un camp. Ouais, j'irai attaquer le camp plus tard. Ouais. Nick, tu me reçois? T'as pu suivre l'hélico? C'était le même type, celui qu'on a vu sur le toit cette nuit-là? Ouais, c'était lui. Il se souvenait de nous? Et Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ils ont été reroutés vers le sud, ils se souvenaient d'elle, mais... Il sait pas ce qui lui est arrivé. Attends, tu crois pas qu'elle est encore en vie, quand même? Quoi? Non, mais je suis pas fou, Boozer. Mais je veux avoir le fin mot de l'histoire, savoir ce qui lui est arrivé... Où elle est morte. Ouais. Ça te permettra peut-être de... Je sais pas... Faire ton deuil. Putain, Boozer, j'ai pas besoin de faire mon deuil. Bon, je dois y aller, d'accord? Terminé. Censé aller tout là-bas, tout là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce sont les spots de chasse. Ok, d'accord. Ah, la vache, on va repasser par ici. Hein, du coup, on va refaire le plein de tout ça, etc. etc. Alors, du coup, les spots de chasse, c'est un peu chiant. Alors, certainement que ça va nous permettre de découvrir des trucs. Il y a de grandes chances, même d'ailleurs, que ça nous permette de découvrir d'autres trucs. Mais c'est pas ultra bien amené, quoi. On refait le plein. Oh, t'en avais bien besoin. Ça y est. Ok. Est-ce qu'on peut prendre des machins? Oui. De la ferraille. C'est tout? Non. On est reparti, les gars. Qu'est-ce que tu fais chier aussi près de chez moi, toi? Connard. Il y en a d'autres? Pas l'impression. Putain de merde. On est en Oregon, on est censé avoir la population la plus basse des États-Unis quasiment. Hein. Et ces saloperies sont partout. Pas un peu bon, nombreux quand même. Nettoyage aux abords de la base quand même. Bon. Ce qui est cool, c'est qu'ils viennent bouffer leurs semblables.
Oups, oups, oups. Toute la ferraille que je trouve, elle est instantanément bouffée par la réparation de ma hachette. Mais ils sont partout, ça. Alors la météo est vraiment, je trouve, vraiment, vraiment sympa dans le jeu. Et là, son incidence, hein, que ce soit sur la visibilité, sur la façon de conduire la bécane, sur tout un tas de choses, il y a une vraie incidence. Là, je sens hein, déjà que la bécane n'est pas facile à manier, mais là, je sens la bécane qui glisse, quoi. Nick, là, je m'emmerdais. Je me suis dit qu'il fallait voir si je savais encore faire des choses. Parce que quand tu peux, je pense que ça te plaira. Super, Bosman. Ouais, toujours besoin de trucs. Merci, vieux. Terminé. Alors la nuit sont très nombreux, hein. Les soirs d'orage sont encore pire. Dis-leur que c'était Deacon, ils comprendront. Évite les routes principales et t'arrête pas. Oh putain! Vous voyez ce que je vois? Pas le moment de tomber en rade de bacon. Il faut que je traverse ça en plus? C'est une blague. What the fuck? j'ai pas été un peu trop audacieux là? Bordel de merde! C'est la merde, les gars. Bah je sais pas où je vais mais j'y vais hein.
Je suis un peu perdu, vous avouerez. Bah, peut-être j'aurais pas dû y aller dans la nuit, hein. Ah, ma bécane tombe. Comment ça tombe en panne en plus? Merde. Ah bon. Chaud. Ouais, chaud. J'aurais peut-être pas dû y aller la nuit. La nuit c'est casse-couille, hein. Bon, on est d'accord. La nuit plus orage, le truc de la chasse, là, c'est pas tout bénef, hein. Est-ce que j'arriverai à remonter jusque là-bas? Tant pis, hein, faut que j'aille sauvegarder, hein. Je peux pas y aller dans la nuit comme ça. Là, il y a un camp apparemment en plein milieu. C'est infesté. Pourquoi je sens qu'il va se transformer ce connard là? Il va essayer de nous bouffer dans notre sommeil lui. Et il tremble et tout même. Ouais. Pas confiance. Je vais juste fermer un peu les yeux. Bye bye birdie. Hein? Ouais, donc mauvaise idée, hein, la journée, enfin le tout ça là. Ouais, c'est pas du propre. J'ai voulu. Bon. Là, logiquement, ça va être plus simple d'aller chasser. Apparemment, on peut même chasser à 60 mètres. On y voit T-Suite. Elle est où la sortie? Merde. Est-ce que je peux descendre moi, là?
Putain, y a pas d'endurance. T'as dit con, arrête la clope, quoi, je sais pas, fais quelque chose. C'est bon. Joli, en pleine tête. Quatre sur cinq. Pauvre bête. Ouais, bon. De toute façon, il voulait me bouffer. Hein. Cinquante de mètres. Ça va, là, il me les affiche un par un, les objectifs, donc. C'est ça le ratio de tir. Ah, mais non, mais de toute façon, la visée, elle est dégueulasse, hein. Sur ce jeu, c'est ouais, carrément. Malheureusement. Il est où ce connard? Ah. C'est pour ça qu'il y a plein de saloperies. Bon, apparemment c'est vide. Ouais, bon, ça aussi, apparemment, il y a des cailloux là. Un chevreuil. Eh merde. Devant toi, mec. De la viande fraîche. Ça devrait faire l'affaire. Bon, j'ai plus qu'à rapporter ça à Boozer. Mortel, sale bâtard! Non, tu peux pas dire que j'ai pas eu tout mine dedans là!
Bon, j'ai de la viande en rab. Endurance épuisée. Super. Détective Pinzo. C'est un cousin de détective Pikachu, ça? Ah, je peux pas avancer. Super. Arrêtez avec vos orages, bordel de merde. Ouh. Je garde ça pour plus tard. Okay. Ça devrait faire l'affaire. En espérant que c'est pas moi qui me prenne dedans, tu sais. Je le prends à chaque fois. Pour réparer ma machette. Par contre, la machette qui se casse au bout de 4 coups, ouais, ça fait un peu Breath of the Wild. Hein. Je pensais pas que tu serais déjà rentré. Salut, je reste pas. Job de camp. Les chefs de camp sont sous-traitent de nombreux travaux. En terminant ces tâches, vous gagnez la confiance de camp et de crédit. Hein. Écoutez les annonces radio pour trouver de nouveau du boulot. Hey, Boseman, j'ai ramené de la viande. Ça devrait nous tenir un moment. Salut, Dick. Merci. J'ai pas très faim, là, tout de suite. Je salerai la viande un peu plus tard. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de toxico? Faire un petit uptime. S'il vous plaît, voir où on en est au niveau du temps. T'as pas mis dans le chrono? Non, j'ai pas mis. 2 h 6 min. Putain, le dernier, c'est terminé à quelle heure? Je sais plus. Bon, tu sais quoi? Dans le doute, on va arrêter chapitre 13.